y a un renard là-bas. Avec ma qualité d'image dégueulasse. Je vais essayer de m'approcher. Ah, j'ai rien à lui donner à manger par contre. Bon, de toute façon, ça bouffe pas les gâteaux, je pense. Il veut peut-être une clope. Tu veux une clope? Non? Viens là. Mais non, pars pas. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ah ça va, j'avais peur qu'il y ait une falaise et qu'il ait sauté ce con. Il est là-bas. Oh. Y a un espèce de flamant rose mais blanc là-bas. Écureuil volant. Y a quelqu'un? J'ai de la beuh. Non? Ça c'est du Mitsuba. Ça veut dire trois feuilles, c'est facile à reconnaître, ça se mange. Les Rider House. Donc là il y a celle-là et celle là-bas qui sont marquées sur ma carte. Donc celle-là elle est encore ouverte, donc je viens de voir la meuf. Et donc sur ma carte ça marquait 1200 yens et là elle m'a dit que c'était il y a 20 ans que ça coûtait 1200 yens. Et maintenant c'est 3000 yens. Donc j'ai pas envie. Et eux là-bas ils ont fermé. Donc la carte en fait elle a plus de 20 ans. Donc c'est vraiment une carte de merde. Donc moi ça me fait chier parce qu'il est 5h et la prochaine elle a 1h30 et là j'ai déjà conduit 7 ou 8 heures aujourd'hui. Je crois que je vais encore camper quelque part au pif. Tant pis. Je pense que celle-là, elle a fermé il y a un bon moment. Résultat, je reprends ma vieille carte, ma vieille bonne carte des lieux de camping gratuits. Là, avec ça, au moins, on n'est pas déçu. J'arrive, j'ai un bon site pour mettre ma tente. Par contre, il fait bien froid là quand je parle, je fais de la buée. Je sais pas combien de degrés il fait. Je pense que je vais un peu me les cailler cette nuit. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être d'aller voir les, d'essayer de s'approcher des Ainu. Les Ainu, c'est les habitants qui étaient à Hokkaido avant que les Japonais arrivent. Donc ils vivaient dans des huttes un peu reculées du monde jusqu'au 19e siècle, quoi. Et maintenant, ils sont presque tous insérés dans la société japonaise. Mais voilà, il y a deux villes dans lesquelles il est censé y avoir encore pas mal de maisons intactes d'époque. Donc je vais essayer d'aller voir ça. Il y a deux musées aussi, mais je vais en faire qu'un seul.
Donc là en fait mon trip à Hokkaido il est déjà terminé. Là, ce soir je vais dormir chez une connaissance et le jour d'après chez une connaissance. Et après je prends le bateau donc je repars à Honshu. C'était assez rapide en fait, j'aurais mis 10 jours. Thank you.